Et donc voilà, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce live. Il est 18h30, mesdames et messieurs, on est ensemble donc jusqu'à 20h tout simplement pour du Pokémon. Et on va faire du Pokémon GM, voilà. Et la semaine prochaine, j'essaierai de changer. Je viens de dire, j'essaierai. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat qui est disponible à droite, voilà, la droite c'est par là, voilà, ou sur Twitter, hashtag Crisis Live. Vous voyez qu'il n'y a rien actuellement, hein, pour l'instant, c'est parce que je n'ai pas encore lancé le jeu, mais on va faire cela, bien sûr, tranquillement. Alors, donc voilà, appelez. Donc, normalement, vous devriez me voir. Hein. N'hésitez pas à me dire si le son c'est ok, si tout va bien. Appelez. Donc voilà, hop. Alors, hop, je vais juste faire ça. Et voilà, donc là, normalement, tout est bon. Alors, il manque juste un, deux, trois petites bricoles à faire, comme le Twitch Alert, par exemple, car oui, c'est important le Twitch Alert, hein, tout le monde. Tout le monde le sait. Donc hop, on va le rajouter vite fait. Et on va aussi changer le mobot. Car oui, je ne l'ai pas changé. Quoique je crois qu'il n'y a pas besoin de le changer en fait. Je crois qu'il n'y a pas besoin de le changer. Je vais vérifier. Mais normalement, il n'y a pas besoin. Donc appeler. Donc pour Twitch Alert, ça va être presque prêt. Ça va être presque prêt. Hop. En tout cas, n'hésitez pas à vous follow à la chaîne, bien sûr. Hop. Donc voilà, donc pour Twitch Alert, c'est bon. Maintenant, donc, pour Mobot vite fait, je vais voir si tout est bon, si tout est ok. Normalement, tout est bon, hein. Normalement. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Oh là là. Hop. Hop, 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 hop. Ouais, tout est bon. Tout est bon, tout est bon. Et ben, c'est bien. C'est trop bien. Et j'ai deux notifications sur Twitter. Merci à Pokekalos, hein, bien sûr. Et merci, alors. Merci à Singularity Event aussi. Enfin, là, c'est ça. Ça a aucun rapport avec le live. Pour le dernier que je viens de mentionner. Mais pour l'autre, voilà. C'est juste un. Quelqu'un qui a aimé. Voilà, tout simplement. Donc on y va, hop, j'ai lancé Pokémon Germ. Hop, 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 hop. Hop, là, là, normalement ça devrait être bon. Hop, les. Bah, normalement, vous devriez voir un écran noir, c'est bon. C'est bon, tout marche. Oh là, tout marche. N'hésitez pas à me faire part d'astuces et autres, hein, bien sûr. Et n'hésitez pas à me dire si le son est trop fort ou pas assez. Alors hop, on va continuer. Alors, donc j'en étais à où? Attends, on va ressortir pour voir où est-ce que j'en suis. Donc, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas été là la semaine dernière... Alors, je vais retourner vite fait sur la carte. Donc, voilà. Donc, j'étais en quelque sorte bloqué dans cette zone-là. Voilà, hein, dans cette zone ici. J'étais bloqué, en fait. Je pouvais ni passer par là, ni par là. Et enfin, c'était galère. Donc, du coup, ce que j'ai dû faire, c'est de me téléporter, car il y a une option... téléport au cas où si on est bloqué, et c'est ce que j'ai fait, hein, voilà.
Et donc du coup, je me retrouve maintenant à Carmin-sur-Mer. Oui. Et on va peut-être essayer de capturer des Pokémon, de faire des combats, enfin bref. J'avoue que j'aimerais bien avoir Surf et Vol, c'est pas mal. Et c'est pas mal, il paraît. Allez hop, donc, alors attendez, je regarde juste vite combien j'ai en argent. Info, voilà, chercher. Info. Donc là, ouais, donc j'ai 2600. Ouais, donc on va peut-être aller s'acheter des Pokéballs. Et on va capturer des Pokémon. Hop. Acheter. Bon, peut-être pas des Hyper Ball parce que. On va juste prendre des Pokéballs. On va en prendre. 5 déjà, ce sera pas mal. Allez hop. Ah, c'est ça que je voulais. Hop. Voilà. On s'en va. Alors pour mon équipe, bon, hop, donc voilà, donc bon, c'est un peu au hasard, hein. C'est un peu au hasard l'équipe. Hein. Mais où je me suis pas fiché sur la stratégie ou autre. Hein. Donc ce qui serait bien, c'est que, ah oui, j'avais dit qu'aussi, ah oui, ça y est, maintenant ça me revient un petit truc que j'avais dit. À la fin du live de la semaine dernière, c'était bah, de faire le bateau qui est ici. On va aller le faire. On va aller le faire. On va aller le faire. Oh, vas-y. Bon, la musique est peut-être forte. Je suis désolé, mais n'hésitez pas à le dire dans le chat, bien sûr. On passe tout ça. Tout ça, ça a été fait. Hein. Alors ce bateau il est très grand, hein. On peut dire que c'est grand, il pourrait presque dire un bateau de croisière finalement. Par là ensuite. Tintin. Voilà, et on doit aller par ici. Oui, j'ai fait. Voilà, bon, on va. Je peux pas ouvrir cette porte avec le pass. Bah, tu vas me donner le pass, tiens. Je suis né en stratégie, je vous le dis tout de suite. Bah si, mais... Ouais, ça va pas faire masse dégâts, voilà. C'est un peu ce que je pensais. C'est pas grave. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Je passe. Je l'ai pas. Je sais pas où est le pass. Bon, peut-être que je le sais, mais tu ne l'auras pas. Voilà. Hop. Protéines. J'avais apparemment le pass. Ça commence pour aller par là. Pas un pas de plus, Minus. Ah, ok. Oh, c'est bon.
Hop. Pas très grave. Pareil, ça va être un petit peu long là ce combat. Là, oh. Non, on va changer. On va mettre le fixe. On va péter quand même niveau 30. Hein. Oh putain, ça sert à rien. Déjà, si je pouvais faire. Voilà. Ça va lui faire bien mal. Et hop, les labrelures qui passent. J'ai subi la défaite. N'en reviens pas. Comment c'est pour passer? Attendez. Bon, ouais. Bon, on va mettre son. Non, peut-être. Allez. Hop, voilà. Hop. Laisse-moi tranquille. Et. Pas trop où est-ce qu'on doit aller là. Dans le sac. J'ai rien de qui. Comment on fait pour ouvrir cette porte? Par là. Il y a encore une autre pièce hein, à côté. On doit faire autre chose, c'est possible. Là, on a l'impression qu'il y a des portes en bas à droite. Un truc. Putain, rien. J'ai loupé un truc, je crois. Y'a rien pour chercher un objet quoi. Laissez-moi passer. Ah bah tiens. Ah d'accord. Fallait le reparler. Ok. Voilà. Donc, on parle, là y'a rien. Voilà voilà. Oh dis, y'a un comité là. Oh là. Qui est là? Un môme. Que fais-tu ici? C'est à croire que tu es... que mes sbires t'ont laissé passer. Les abattus?
Mais je rêve. Ah oui, tu rêves. Non, je rigole, c'est même pas rêve. Tu n'auras pas fallu te mêler de nos affaires, petit. Le navire du capitaine Ramirez est le nôtre désormais. Si tu croyais passer un agréable voyage, alors c'est raté. Vous tous, écoutez-moi. Quand le fils de Ramirez sera ici, je veux que vous l'assommiez et que vous lui voliez la germe qu'il a toujours sur lui. Compris ? Il ne devrait plus tarder. Tenez-vous prêts et faites comme je vous l'ai dit. Pour l'instant, enfermez-moi ce fouineur et qu'il ne me gêne plus dans tes rêves. Oh, Jesse, chut! On va se faire remarquer. Jesse, le chef est là. Nous sommes de retour. On croit qu'ils ont des yeux d'alien, quoi. Changement de musique. Bonjour à vous tous. Afin de préserver... Arrêtez votre cirque, espèce d'idiot. Mes chefs, tais-toi. Dites-moi ce... Dites-moi ce que vous faites ici. Il manque un mot, non? Dites-moi ce que vous faites ici. Ce que? Ouais, voilà, il manque un mot. On est venu vous aider. C'est pas possible. Ma parole. Je vous avais dit de vous tenir tranquille. Comment ça? Vous faites toujours tout rater. Voilà pourquoi. Peut-être bien en général, mais pas cette fois-ci. Nous avons percé un trou dans la coque de ce navire. Du coup, la pique. Quoi? Son triple con. Je crois qu'on a mal fait, Jesse. Ce n'est pas ce que vous vouliez? Bien sûr que non, sombre crétin. À cause de vous, on doit se retirer d'ici en vitesse. Quant à toi, le môme. Je te revois plus. Mon navire. Oh non. Et moi je voulais encore plus de baston. Mais que voulait-il? Quoi? S'emparer de la gêne de mon fils? Mais alors, il faut le prévenir au plus vite qu'il court un grave danger. Il se trouve en ce moment à Céladopole. Ses amis et lui sont toujours ensemble en train de parler de de chasse au Pokémon, ok. Que c'est la Doupole, ok. Mon fils Hector est un chasseur de Pokémon rares. Il a trouvé cette germe dans la centrale. Et à ce qu'il paraît, elle renferme de grands secrets. Merci de le prévenir au plus vite. De mon côté, je vais tenir de mes... de me porter acquéreur d'un nouveau navire. Sinon l'accès à l'Acaïa demeurera fermé. Ok, alors attendez. La carte s'il vous plaît. Et la carte, c'est la carte. Ok, alors attendez, c'est où cette... Ah non. Je la trouve, excusez-moi. Ah, voilà, c'est la dope. Ok, donc là, il va falloir en gros que je monte. Et ensuite que j'aille à gauche. Ok. Bon bah, on va y aller, hein. On va pas aller au centre Pokémon, pour l'instant, ça sert à rien. Ce qui est bien, c'est que maintenant, apparemment, on peut aller à droite. Alors qu'avant, on pouvait pas. Ça, c'est bien. Hop. Voilà, alors hop, on va traverser tout ça en évitant
les Pokémon sauvages. On va continuer le scénario, hein. Continuer le scénario pour l'instant. Tu vois, ça va faire un peu plus d'argent. Et c'est pas plus mal. Hop, voilà. Oh, y a... pour planter quelque chose. Ok, donc nous sommes ici et je dois chercher le fils. Mais où est-il? Ça, c'est peut-être là, non? Bah, il est là. Ouais, c'est un gros bâtiment, je me suis dit peut-être là, tiens. Hein? Dans mon truc, je préfère me battre contre des dressures, c'est clair que c'est mieux. Je suis le meilleur de ma classe, plus tard je serai cosmonaute. Bon courage. Ah, peut-être là, non? C'est peut-être une école, enfin, moi je sais pas. Réputé pour son. Ah, c'est un casino, ok. En effet, je... Ah oui, voilà, je suis Hector. Qu'y a-t-il? Quoi? La Team Rocket a coulé le bateau de mon père et ils veulent voler ma gemme? Alors, ils veulent mettre la main sur les Pokémon légendaires? J'aimerais bien savoir pourquoi. J'ai décidé. Je t'accompagne. Ensemble, on fera échouer leur plan. Voix de Hector. Toutefois, on ne sait pas où ils sont. Ouais, c'est un peu la grande question, finalement. Où chercher? Mes amis et moi avions prévu de capturer des Pokémon spectres à l'avant-dire. Selon une rumeur qui circule en ce moment, un objet précieux y serait enfoui. La Team Rocket a dû faire la bonne affaire, Daisy. Les sbires sont peut-être déjà sur le coup. Je crois qu'on devrait y aller aussi. Allez, on y va. Alors qu'on la croit définitivement. La Team Rocket est de retour encore une fois. Eh ben oui. Hop, alors, attendez, juste 30. Parce que là, on regarde une nouvelle fois la carte. Donc à Lavandia, ça fait... Ah non, à l'avant-ville. Ok. À l'avant-ville. Ouais, ça doit être l'avant-ville. J'ai du mal à lire. Tellement mal, finalement. Ah, attendez, je vais peut-être prendre ma bicyclette, moi. Moi, je peux pas faire un raccourci pour utiliser. Non, c'était pas là que je voulais aller. Hop. Empêche mon mi. Migaos, il arrive à suivre un vélo quand même. Hein. Hop. Alors, ce qui est bizarre, c'est que là, on peut pas suivre le chemin. Parce que oui, il y a des bâtiments qui nous bloquent. Oh là là. Oui, alors là, par contre, là, je crois que. J'ai pas affronté les dresseurs là. On va enlever, tiens. Ah, puis on va combattre. Ah non, c'est bon. Ah bon, bon, ok. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais on peut marcher sur son Pokémon. Voilà, SOS Pokémon au secours. Eux, visiblement, je les ai pas encore affrontés. Plus un geste, mec. Mais. Et toi, plus un geste. Ne bouge pas un centimètre. Ok, Luigi veut se battre. Oh, c'est Luigi. Ok, ah, ça c'est mal.
commence assez mal ça. Ouf. Ici, on va essayer. On va essayer, est-ce que ça va bien? Place. Ça va. Voilà, on va faire un lance-flamme, hein. Ah oui, c'est ça. Bon, ça va. Bon, je passe un deuxième coup, mais... Ah, voilà. Et je monte bien, là. Wouh! Oh, c'est ballot. Ah, c'est ballot. Ah bon, forcément, il y a lui. La détermination est gonflée au max. Bah, je vais peut-être aller dans cette maison après. Il y a encore 3 Pokémon. Il y a plus de vie. Bon, allez, on va le faire. Enfin, il est plus haut niveau, je veux dire. Voilà, je prends plus cher qu'autre chose. Ouais, non. Le poison veut pas faire effet, j'ai envie de dire. Hop. Tapika. Allez, hop. Tonnerre, on se... Bon, petit. Voilà. Allez hop, tonnerre, allez. Hop. Là, on va changer. On va changer. Pour prendre quoi? Donc, il y aura la plus de vie. Et on peut dire que c'est paralysé. Masco, même si c'est sans doute pas la meilleure idée. Dans vol vie, c'est pas... Ouah, allez, la vache! Il m'en tire pas mal. Aïe, 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 aïe. C'est bon. Moi, je crois qu'à mon avis, je vais aller au centre. Après
Mon pneu a crevé. Mon cerveau aussi a crevé. Attendez, je vais juste voir un peu l'état. Voilà, il serait peut-être mieux que j'aille au centre changer un peu l'équipe parce que là. Voilà. Attendez, j'ai juste entré ici. On peut? Non, on peut pas. On peut ou on peut pas? Mais on peut pas. Allez, pas le centre. Et non. Ah, je crois que. C'est en haut. C'est pas en bas, c'est en haut. Ah, bah, tiens, il est là. J'aurais fait à peu près le tour. On va juste changer. Peut-être. Non, attendez, c'est pas ça que je veux faire. Je peux sauvegarder aussi comme ça. Je sais jamais. Alors, donc. Peut-être. Il y a qui de. Qui a un niveau pas mal là-dedans. Pas grand chose à venir. On va essayer de prendre. Hop. Hop, voilà, donc c'est déjà. Hop. Hop. C'est un peu mieux. Ouais, enfin. Ah, ni... ah ouais d'accord, ni loin ni KO. Ouais bon, je pense que allez hop, on va. C'est vrai que c'est gênant parce que... En fait, quand des Pokémon sont actuellement dans la boîte, tu sais même pas du tout comment ils sont en fait au niveau bah, de l'état quoi. Là, bon bah là finalement, je pense que je vais remettre tout en place et on va... hop. Hop. On va les soigner hein, parce que donc hop. On va mettre tout ça en place et voilà. On va les soigner, hein, on va pas se pas casser la tête. Et vous les soigner, oui. Je rappelle que dans ce jeu, soigner ça coûte. Hein, voilà. D'ailleurs, le jeu est un peu plus ardu du coup. Et... on va passer par le haut. On va éviter de rester en bas. 46 Lars. D'ailleurs, faudrait que je voie au niveau des cités. Par derrière. Il est bien. Ah, là par contre là j'ai pas trop le choix je crois. Ouf. J'avais pas le choix. Il n'ira pas plus loin sans me battre.
pas le choix, hein. Ah oui, alors par contre, je fais sa pause. Oh, j'ai complètement oublié. Il est déjà 19h06. Il est complètement zappé. Voilà, coup critique, c'était ce qu'il fallait. Hop. Donc voilà, alors on va se faire une petite pause, les amis, de quelques minutes. Et là-bas, donc à tout de suite! Thank you.
Donc voilà, donc je suis de retour pour ce live. Ce live d'une heure. Ce live d'une heure trente. Pardon. Et oui, donc j'ai mangé un truc, j'avoue que j'ai mangé chaussons aux pommes. Excusez-moi, j'avais faim. C'est pour ça que là, voilà, il y a encore des petits morceaux dans la bouche, mais ça, c'est pas très très grave. Des petits morceaux qui se collent en fait dans les dents, etc. Pareil. Voilà, allez hop. Il arrive à les déposer. Bon, c'est pas grave au pire. Ça c'est vrai que c'est un peu souvent ça. Ça se bloque dans les dents et tout en fait. C'est une horreur. Donc voilà, allez hop. Donc voilà, on va continuer l'aventure. On va continuer l'aventure dans cette deuxième partie qui sera d'ailleurs courte. Hein, vu que bon, on n'est pas loin en réalité donc de... 30, hein, qui est 19h14. Ouais. Bon allez hop, en tout cas, la musique, ouais. Ça reste sympa. Ouais. Allez hop, donc là, on est arrivé dans un autre soi-disant destination. Alors, il y a pas beaucoup de PNJ ici, hein. C'est une ville fantôme. Ouais, je crois que c'est ça, c'est une ville fantôme. Donc, n'hésitez pas à réagir sur le... chat, hein. Le chat de Twitch disponible à droite, bien sûr. Et là, hop. Bon, alors je pense que j'ai pas trop le choix d'interroger ce charmant monsieur. Je crois que c'est un monsieur, enfin bref. Parce que là, voilà, je crois que le jeu nous l'impose en fait. Quand on le voit tout seul dans une ville, ça fait. Voilà. Cette année, l'un m'envie et l'autre de l'un des tournois Pokémon. Cet événement attire de nombreux dresseurs de talent. Ok, donc en fait, il n'y avait pas besoin de lui parler en fait. Et pourquoi cette ville est en déserte? Par là? Ah, c'est peut-être là. Attendez, je récupère déjà ça. Feu, ok. Je suis à la recherche d'un Pokémon dormeur, mais j'en trouve pas. Tu voudrais m'aider? Il ressemble à ça. Oh, le Roflex, j'en ai vu un. Sûrement, il bloquait une route.
Nouvelle quête. Oui, mais le ronflex que j'ai vu, en fait, il était... Ah, attendez... 30 secondes. Il était ici. Voilà, route 36. Donc voilà, maintenant tu peux aller le chercher. Bon, alors passage, faut que tu prennes le train. Oui, j'ai pas précisé, mais bon. Hop. Bon, attendez, je vais un petit peu encore explorer la ville, même si visiblement c'est complètement différent. C'est quoi ici? Pour radio. Ok. Il n'y a pas un autre endroit, passage. Ah oui. Il y a ça. C'est pas grave que je dois aller. Non, je pense que c'est vraiment en haut en fait. Je pense. Ah, ok, t'as une petite route là. Ça doit être par là. Ah bah tiens, là il y a plus de monde. Un coco qui est en... a une forme de tonnerre. Du tonnerre. Je vais gagner, c'est certain. Ah, oui, c'est où? Bienvenue au tournoi Pokémon de la Vie. Ce tournoi est un... est le lieu de rassemblement de nombreux dresseurs de talent. Le prix d'inscription est de 1500. Souhaitez-vous vous inscrire? Oh non, peut-être pas tout de suite, hein. Peut-être pas tout de suite. Allez par là. J'ai entraîné à fond mon... Fourier, ok, je suis d'attaque. Mon frère participe au tournoi, il a terminé 4e l'an dernier. Je me renseigne sur une technique secrète qui assurera ma victoire. Ok. Je suis concentré à fond. Regarde, j'étais tellement concentré que je n'ai même pas remarqué que mes lacets sont défaits. Bonjour à toi, je suis l'organisateur du tournoi Pokémon de l'Avant-Ville. C'est une pratique de plus en plus répandue que d'organiser ce genre d'événement. Oh, excuse-moi, je parle, mais je ne suis même pas présenté. Je suis... Enfin, je me nomme Aldo. Ancien membre du conseil des 4. Si tu souhaites participer à mon tournoi, inscris-toi auprès de l'homme qui se tient devant le terrain de combat. Si tu parviens à remporter un tournoi, tu pourrais m'affronter pour remporter un badge. Repasse me voir à l'occasion. Ah ok, donc il a un badge. Ok. Bon, en fin de compte, finalement... J'ai pas l'impression que c'était par là. On va aller en haut. Ah non, non, là c'est là. C'est là du jeu venir en fait. Ah bon, c'est. Peut-être à la route d'en bas finalement. Hein. Finalement. Voilà. Terrain d'Avant-Ville, route 7. Là, on va aller faire un tour. Bonjour, connaissez-vous mon grand-père, monsieur Fugé? C'est un homme réputé. Vous le trouvez en ce moment même dans sa maison. Ce lieu est un cimetière pour les défunts Pokémon. On dit le tremblement de terre. Par ailleurs, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai un petit problème. La team enquête se trouve ici en ce moment. Des sbires m'ont dit qu'il. Agir comme si rien n'était, mais je peux pas les laisser saccager la maison de mon grand-père. Ils sont en train de creuser un tunnel sous la maison. Je crois qu'ils cherchent un fossile de Pokémon. Ils sont entrés par une tombe, mais je ne sais pas laquelle. Quelle chance, on les a retrouvés. Il faut qu'on descende
dans le tunnel et qu'on retrouve le fossile avant eux. Team Rocket, à nous deux. Elle tombe. Ah là, voilà. Ah, par contre, attendez, on est peut-être bien changé, non? Le Pokémon. Quoique, il doit pas y avoir vraiment de Pokémon sauvage. Oh, je sais pas. On va avoir un peu moins de sbires. On va aller par là. Alerte! Des intrus! Oh mon dieu! Il y a des intrus! Mon dieu! Un cauchemar! Ah, quand même, ils sont au niveau. Ouais, quand même. Ouais, faut que je fasse une autre attaque. Ouais, Aurélia, c'est. Bon, je vais faire un petit vol vie. Je vais mettre KO quand même. Non, même pas. Arnaque. Un peu de vieux hein. Ouais, non, on va y aller ici. Ah mince. Voilà. Déjà par contre je prochère. Ouais non là faut que je monte en niveau hein. Allez, il a augmenté la défense. Ah là là. Un petit peu. Carrer nos plans, c'est ça? Non, par contre, on va sortir. Par contre, non, on va sortir parce que là, bon, j'ai plus qu'à monter en XP en fait. Donc voilà, je pense que c'est chose qu'on va faire. On va aller là. Pas aller là. Pas aller là, on va peut-être descendre. Et là peut-être. Ah ouais non, c'est pas mieux. Pas mieux non. Ah, attendez, je vais prendre le vélo parce que là j'en ai marre de marcher. J'en ai marre de marcher. Voilà. Par contre, hein, il me semble pas. Pas cool. Ah, c'est vrai, j'avais complètement oublié cela. J'avais complètement oublié. On va le faire.
Allez hop. Ça va, il est faible niveau, ça sort là, donc ça va. Pas besoin, niveau 11, j'imagine. Ah, 21. Ah non, là, c'est pas bon. Je vais l'empoisonner. Très bien. Voilà, poison. Ça va marcher normalement. Voilà. Poison. Ah, oh, punaise. C'est quoi? Hop. Ah, y'a un... Ah, d'accord, il est au raptor. Ça devrait le clouer. Enfin, parce qu'il y a une grosse différence de niveau. Hop, voilà. Oh, mais... Oh punaise. On va le Pikachu hein. Pika-pika. Voilà. Ah, niveau 28. Plan de combat échoué. Pas de chance. Yes. Ne pars jamais sur mes Pokémon. Il a combien de Pokémon celui-là? Oh. Pas sûr que ça fasse moins de dégâts. On va faire pour mourir, je vais faire une surprise. Hop. Voilà. Et j'ai encore un autre dresseur derrière à affronter. Ou alors je devrais plutôt aller au centre Pokémon de l'autre, de la précédente ville. Ça va être... Aucune idée. On va voir. On va voir, mais ça, c'est... Oh putain. Oh bon, bah, y'a pas. Ah non, il est plus rapide. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Beaucoup plus que je pensais. Voilà. T'as pas de bol ou quoi? Non, t'as pas de bol. Donc on va aller. Attendez. Parce que je crois que je vais descendre de mon vélo. Parce que sinon, je crois que je vais faire une gaffe. Faire une gaffe. Hop, je suis à. Je l'esquive. Ah, celui-là, c'est assez fait. Voilà.
Hop. Le centre. Rien? Si, tout en haut. Si, ça y est, je m'en vais. Tout en haut. Voilà. Alors, attendez, j'ai déjà sauvegardé. Voilà. Et puis, on va se faire une nouvelle pause, les amis. Donc, n'hésitez pas à envoyer des messages sur le chat de Twitch, bien sûr, hein, qui est disponible à droite. Votre message s'affichera d'ailleurs en haut. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à rester sur ce live. Ça continue dans quelques minutes, mesdames et messieurs. A tout de suite. Ta 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 ta.
Allez, donc là, voilà, je suis heureux, on est prêt. Voilà, pour la toute dernière partie de ce live. Donc voilà, allez, donc n'hésitez pas, je le rappelle, à lâcher un message sur le chat, bien sûr, disponible donc là. Votre message s'affichera en haut. Et n'hésitez pas également à utiliser Twitter avec le hashtag CrisisLive. Donc là, on est sur Pokémon Germ. Et on va faire donc la troisième partie de ce live. C'est vrai qu'il a duré jusqu'à 20h, les amis. Donc voilà, allez hop, on y va, let's go. Donc voilà, alors, pour ceux qui n'étaient pas là depuis le début du live, on va aller sur la carte vitée. Je précise que la semaine dernière, j'étais ici. Enfin, dans cette zone-là, j'étais bloqué. Donc du coup, j'ai utilisé le téléport. J'ai l'impression que j'étais complètement bloqué, que je pouvais rien faire. J'ai utilisé donc le téléport et donc du coup, ça m'a ramené ici, je crois. Ça fait rien. Ça m'a ramené dans cette zone-là. Donc là, du coup, ça m'a débloqué. Enfin non, ça m'a pas ramené sur cette zone-là. Ça m'a ramené chez moi. Et hop, puis après, je suis retourné hop, ici pour continuer un peu la quête principale, j'ai envie de dire. Et alors là, pour l'instant, j'ai pas vraiment la continuer en fait, parce que là, je suis vraiment faible en niveau en fait. Contre la team Rocket, c'est un peu fiu-fiu, quoi. Ils sont à peu près niveau 30. Donc, sachant que j'avais même pas un niveau 30, un Pokémon niveau 30, ça va être un petit peu difficile. Du coup, il faudra mieux, en fait, que je te monte en XP. Et voilà. Donc, alors par contre, oui. Alors, attendez, faut que j'aille juste regarder qui est KO. Ouais, donc il reste. Il reste encore en état le Roucoups. En argent. Oh, ça va, 6000, c'est toi? Je pensais que j'avais moins. Oh, on peut se permettre. Oh, ça va. Enfin, on peut se permettre d'aller les soigner, parce que oui, soigner dans ce jeu, c'est pas gratuit, c'est payant. Là, on est à 6000 des brouettes. Là, je regarde vite fait combien on est. Il me baisse pas, pourquoi il me baisse pas? Ça me semblait bizarre quand même. Enfin, pourtant, je suis persuadé que quand on va au centre Pokémon, on paye. Et d'ailleurs, c'est même également décrit sur le site officiel du jeu que quand on va au centre Pokémon pour soigner ses Pokémon, on perd de l'argent. Enfin, ça nous coûte. Et là, ça a visiblement rien coûté. C'est bizarre. Bon bah, tant mieux hein, finalement. Non, c'est pas normal. Alors, on va raffronter le son là, par là. Attendez, on va prendre qui? Peut-être qu'en priori, on va peut-être mettre Goupix, parce que bon, là, le niveau un peu moins élevé. Attends, on va affronter tout en bas là-bas. Hop. C'est un petit peu dérangeant. C'est un temps idéal pour combattre. Oui, oui, c'est vrai, il y a du soleil. Il y a du soleil. Nanana, nanana, nanana. Voilà, j'ai bien fait de prendre quand même. Voilà.
pas de Minecraft, faut voler, hop. Ah non, je suis venu pas de robot. Ouais, c'est vrai que ça fait que brûler, faut voler. Pas vraiment une attaque. Allez, ciao. Allez, ah, c'est bon. Please. Oh. Ça va. Bonjour. Combattre me donne des ailes. J'ai un peu l'impression que c'est plagié de Red Bull. Red Bull des ailes. On va changer là. Réfléchir lequel est mieux. Peut-être Pikachu. Hein. Sauf qu'il est deux trop hein. Bon. Parfois ça me fait bien mal. Voilà, moi je fais bien mal aussi. Et avec un coup critique. En plus. C'est bien là. Évite d'échouer, s'il te plaît. Allez, oh punaise! On va changer. Voilà. Une chance que je ne vole pas de tomber de ouf. Voilà, donc appelé, on va encore se faire ce combat là. Et ensuite je pense qu'on va arrêter ce live. Hop. Les Pokémon et moi formons une équipe d'enfer. Là tu vas aller aux enfers. Oh parfait. Hop les, au revoir. Corne, il me semble que c'est des roches ça, non? Un doute. Oui, on va mettre le Geki, d'ailleurs. C'est bien mal. Et hop, les le coup critique. L'équipe est à plat. Voilà, et ben oui, il est... Enfin, ton équipe, elle est à plat. Voilà. Tout simplement. Donc voilà. Alors, en tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là. Très sincèrement. Voilà, parce que bon... On va peut-être pas entamer quelque chose, sachant que dans quelques minutes, ce sera fini. Hein, dans quelques minutes, il sera pas loin de 20h, donc voilà. Sur ce, attendez, je voulais quand même dire quelque chose.
Tout simplement que ce week-end, se tient donc la Virtual LAN. La Virtual LAN qui aura lieu donc en Normandie à la Farce Massé. Et voilà, donc j'y serai le dimanche en fait. Uniquement le dimanche, hein, j'y serai pas samedi. Voilà, j'y serai uniquement le dimanche. Et donc voilà, donc je serai sur place. Donc voilà, pour ceux qui ont l'envie de me rencontrer, et ben allez-y, voilà, dimanche. De toute façon, suivez mon compte Twitter @crisis_fr pour tout savoir à peu près. Hein, voilà, de quand j'y suis, où je suis, enfin bref. Voilà. En tout cas, pour ce dimanche. Voilà. Sinon, normalement, je compte proposer des interviews donc sur le site de jeuxvideo.com, hein, des interviews free de l'événement. Donc voilà. On verra, pour l'instant, c'est pas encore totalement officiel. Bref, sur ce, c'était tout ce que j'avais à dire concernant la Virtual LAN. Et voilà. Alors, vous savez, enfin, pour ceux qui me suivent, me suivent très régulièrement, que j'avoue qu'il y a pas très longtemps que je me suis acheté une 3DS. Il y a pas très longtemps, enfin, je suis acheté une 3DS en 2015. Oui, voilà, fin 2015. J'avais fait en plus Pokémon Rosa, voilà, j'ai lâché en même temps et tout, donc là voilà, j'ai fini l'aventure, hein, je le dis tout de suite. Et là j'avoue que je me suis dit, allez hop, je vais me faire sur X et XY, tout simplement. Et donc voilà, j'ai pas encore fini, hein, j'ai presque fini, mais pas encore, hein, voilà, je suis pas loin de faire la ligue. Et donc voilà, alors c'est la version X que j'ai acheté, hein. J'aurais peut-être préféré plus la version Y, mais il n'y avait pas, hein, dans le magasin que j'étais. Donc voilà, alors c'était tout ce que j'avais à dire finalement. C'était tout. Voilà, donc n'hésitez pas à follow ma chaîne Twitch, voilà. À me suivre donc sur Twitter @crisisfr. La VOD de ce live sera disponible alors, dans quelques jours sur ma chaîne Twitch, sur ma chaîne YouTube, mais dans quelques minutes sur ma chaîne Twitch en tout cas. Alors oui, alors il y a des gens qui m'ont posé la question, pourquoi je stream pas mes parties de Pokémon, les jeux officiels en fait. C'est tout simplement pour la simple et unique raison en fait que je n'ai pas de 3DS capture. Voilà, tout simplement. Voilà. Sinon, je pourrais toujours vous proposer du Pokémon officiel, mais ça sera avec ma webcam que je mettrai par-dessus à peu près ma 3DS et ça serait ça serait un peu bordélique quoi. En plus, je suis pas sûr que vous verrez très très bien et tout. Bref, ça serait bordélique en fait. Hein. Voilà. Et je compte pas vraiment prendre une 3DS capture pour l'instant. Je suis désolé. Voilà. Pas pour l'instant. Peut-être. Enfin, je pense pas cette année. Peut-être en 2017 et encore. On verra. On verra ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, voilà, c'était tout ce que j'avais à dire maintenant. Je crois que c'est à peu près tout. J'ai rien oublié, non. Voilà. Passez une excellente soirée. Un bon week-end aussi. Je pense pas que je fasse de live samedi, mais on sait jamais. Hein. Je sais pas si je ferai de live demain. Voilà. Sur ce, passez une excellente soirée. Et à... Passez un très bon week-end. Et à plus tard. Ciao, bye bye. Da da da.